Bonjour, enchantée Valérie, salut. Pardon. Bientôt on va vous retrouver sur le terrain. L'attente a été un peu longue. Quand on a visité le château, on a rencontré tous les salariés du club. Je trouve que c'est une belle initiative parce qu'ils font un peu le travail de l'ombre aussi. On ne parle pas souvent d'eux, mais ils ont énormément de choses à faire et c'est eux qui tiennent le club tout simplement. Donc c'est sympa de savoir qui s'occupe de quoi et de pouvoir mettre des visages sur chaque personne. Donc non, c'était un moment sympa. Merci parce qu'on mange très bien. Ouais, c'est pas mieux. Du coup, si vous voulez nous montrer les arrières cuisine et tout ça, soulagé déjà de pouvoir, comme vous dites, enfin jouer. Ça a été long, mais ça y est, on touche au but. Donc excité et vraiment hâte d'être à samedi. Il était temps que les garçons intègrent le groupe et vivent ça de l'intérieur. On le ressent. Et cette semaine, on l'a senti aussi durant tous les entraînements avec beaucoup de concentration. Ça, c'est important. Là il est de retour là. Tu vois comme il est content aujourd'hui. Trois montagnes. Il y en a une de passée, il y en a deux grosses qui nous attendent Saint-Thé. Avec ensuite Dijon. Donc c'est ces deux matchs là, on est très concentré dans le travail là-dessus parce que ensuite après il y a la trêve internationale. Et je pense que là il y a ces deux matchs qu'il faut aborder dans les meilleurs. Oui. Pour nous, les recrues qui allons rentrer dans le 11 de départ, forcément on a envie de bien faire d'une part, mais surtout de ne pas casser la dynamique du groupe. On sait qu'on est énormément entendu parce que tout le monde nous a un peu mis sur un piédestal et malgré ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, donc on sait que physiquement ça va être compliqué. Donc c'est des débuts compliqués à gérer émotionnellement, mais on a envie de faire au mieux. Avant d'aller à Saint-Étienne, on se doutait que ça allait être difficile parce qu'en face, ils ont recruté pratiquement que des joueurs de Ligue 1. Ouais, le stade Geoffroy Guichard à huis clos, c'est bien dommage. Là, c'était une grande déception, surtout pour une première. Je pense que ça aurait été fantastique de pouvoir vivre cette ambiance. Mais voilà, ça fait partie du football. Ils ont eu cette sanction et c'était à nous de nous adapter. On savait que c'est un deuxième déplacement consécutif face à une équipe évidemment qui veut remonter rapidement dans un contexte nouveau pour mes joueurs parce que la plupart, même les matchs du Covid, ils ne les ont pas connus. Donc le huis clos, ils ne connaissaient pas tout ce genre d'ambiance et j'avais quelques doutes de la façon dont ils allaient appréhender tout ça. Pour le match de Saint-Étienne, on a un état d'esprit plutôt serein. On sort d'une belle victoire à l'extérieur. On est bien classé et on a envie de confirmer notre statut de leader. Donc on arrive avec un bon état d'esprit et ça sera un adversaire pour la montée.
on fait un bon début de match et on perd deux joueurs en l'espace de 20 minutes. Donc déjà, ça ne laisse pas beaucoup de choix pour le coach puisqu'il ne nous restera qu'un changement durant la rencontre. On a fait un bon début de match à l'image de ce que l'on avait fait au PFC. Malheureusement, on n'a pas su être efficace comme on l'avait été auparavant. Et on s'est fait punir sur une rentrée de touche à la 35e minute. Et ça a installé les verts dans le match et le rapport de force s'est un petit peu inversé. On n'a pas montré assez de personnalité pour garder davantage le ballon et puis surtout sur ces temps un peu plus faibles, être un peu plus patient. Et c'est là-dessus, je pense, qu'on a perdu le match et sur notre efficacité, mais sur les tempos où par moments il aurait fallu être un petit peu plus patient. C'est un match qui fera grandir mes joueurs. On fait une très bonne entrée de deuxième mi-temps, on a les occasions pour égaliser et au final on prend le deuxième but, peut-être là où on est le mieux dans le match. Du coup ça a été un coup dur et après on n'a pas réussi à revenir, même si on sentait qu'ils n'étaient pas sereins, mais malheureusement on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions et on a perdu ce match. C'est une défaite, mais comme je disais, il ne faut pas aussi que cette défaite-là remette en cause quoi que ce soit par rapport au début de saison, mais qu'il faut être capable de rebondir très rapidement. On voit bien que quand on est mené, il faut avoir du caractère, il faut avoir plus de personnalité pour être capable de surmonter en effet cette difficulté et puis faire preuve de beaucoup plus de ressources pour s'en sortir et puis aller égaliser et puis aller chez l'adversaire pour pouvoir le mettre aussi en difficulté. Et là, je pense en effet que cette jeune équipe a besoin de travailler sur son caractère pour provoquer les choses. Très mal vécu la défaite à Saint-Étienne, d'une part parce que j'avais tellement envie de bien faire pour mon premier match et surtout de continuer sur la dynamique de l'équipe et ça a été tout l'opposé parce qu'on a perdu 2-0 et on n'a pas réussi à confirmer notre première place et on aurait pu déjà les mettre à 13 points, ce qui aurait été énorme et malheureusement on l'a pas fait, donc très très déçu. Avant la réception de Dijon, on reste serein, on sait ce qu'on a bien fait, on sait ce qu'on a mal fait, on a bien analysé Saint-Étienne et on s'est rendu compte que, ok, on n'a pas été bon dans le jeu, mais par contre, on a eu énormément de situations où on aurait vraiment pu faire mal à cette équipe, donc on ne s'est pas du tout découragé, on a vraiment juste regardé qu'est-ce qu'il y avait mieux à faire et on avait surtout à cœur de bien vouloir finir avant la trêve à domicile. Et c'est vrai que le match de Dijon, avec un petit vent de fraîcheur, parce qu'il y avait l'entrée de Zurico, qu'on souhaitait mettre dans notre collectif, on avait envie de débuter très très fort, parce que cette équipe, elle restait sur 3 défaites.
Dès le départ, je le sens bien et au bout de 8 minutes de jeu, je crois, il y a une faute sur Vital, penalty, et Josh Maja nous fait du Josh Maja sur penalty. Et de suite, ça soulève le stade et tout le monde est en confiance. On sait qu'on maîtrise notre sujet et on veut continuer à faire mal. Non seulement on a bien débuté, mais je pense qu'on a fait certainement l'une des plus belles mi-temps depuis le début du championnat, où on a complètement dominé notre adversaire. Malheureusement, ça n'a pas manqué de grand-chose, mais on n'a pas réussi à briquer, voire à prendre davantage le score. Maintenant, arriver à la mi-temps à 1-0, c'était pas cher payé. Je ne peux que les encourager à la mi-temps, mais je me dois aussi de les mettre sur la vigilance, parce que 1-0 dans le football, tout va très vite. Ce match, on doit mener 3 ou 4-0 à la mi-temps et le match il est terminé. Et on leur a tout simplement redonné confiance nous-mêmes. Et je pense que leur but est logique sur la deuxième mi-temps. Ce que je regrette, c'est que c'est aussi sur une glissade, parce que si on est proche, peut-être qu'il ne peut pas armer comme il a armé là, et c'est plus facile pour Gaëtan. Ensuite, on a cette réaction d'orgueil, c'est se dire c'est pas possible de perdre un match qu'on a autant maîtrisé. Et le salut est venu de ce joli but de Zurico. C'est le but de tout un groupe. C'est Alioubadji qui vient presser le Dijonais, c'est Issouf aussi qui vient de rentrer et qui récupère le ballon, c'est à nouveau Aliou qui vient de rentrer et qui va donner la dernière passe. Je pense que c'est une belle leçon, parce que si on a envie de faire des belles choses cette année, on doit le faire avec un groupe totalement concerné, et tout le groupe. Zurico, bien sûr, je le sens bien. Déjà, il a fait, depuis qu'il est arrivé aux entraînements, il est très bon. Il a énormément essayé. Et je pense qu'il a été récompensé de tout son travail pendant 90 minutes, d'avoir l'énergie à la 87e de pouvoir faire cette percée, ce passement de jambe et cette finition du mauvais pied. C'était un super moment de voir tout le stade célébrer ensemble, c'est génial. Et ensuite, Gaëtan nous a fait une parade extraordinaire pour garder les 3 points. Donc à la fin, c'est un bon aboutissement, mais j'espère qu'on saura tuer les matchs plus tôt pour être plus tranquille. On est passé par beaucoup d'émotions, mais qu'est-ce que ça aurait été dur de ne pas gagner ce match. Pendant ces 3 mois-là, ils ont beaucoup travaillé. On a su, avec le staff, créer ces conditions de réussite pour créer cette belle dynamique à travers ce début de championnat. Et je trouve que c'est tout à fait juste qu'ils soient récompensés par cette 5e victoire, et qui nous permet de rester là-haut, et qui nous permet tout simplement de continuer à travailler avec ces jeunes joueurs dans de la sérénité, mais aussi avec beaucoup de sérieux. Bon les gars, voilà, moi j'étais sur le terrain, donc je peux pas vous dire, mais vu de l'extérieur, comment vous pouvez nous décrire un peu ce match que vous avez eu devant vous? Un iconique. Match très intense, hein. Très intense. Ouais, avec une bonne victoire à la clé. Et toi Jacques, qu'est-ce que t'as à dire? Moi, iconique. Iconique, j'ai eu des frissons. Ok, donc Jacques a eu des frissons sur ce match, on peut le dire. Oui. Moi je pense que t'as fait un gros match. Ouais, un très gros match. Et ouais, tu peux être fier de toi. Voilà. Iconique, j'ai eu des frissons.